Deuxième partie de ce Paris Air Forum. Merci d'être présent parmi nous. C'est toujours très délicat après le déjeuner. Les taux de remplissage sont toujours un peu plus compliqués. Un débat dont le thème est crucial pour l'avenir du transport aérien, puisqu'il pose la question de la sous-capacité aéroportuaire. Un enjeu qui concerne essentiellement les grands aéroports, dont la majorité d'entre eux sont déjà saturés ou proches de l'être. La problématique est simple. Avec la réduction des investissements des gestionnaires d'aéroports pendant la crise, l'hostilité croissante de l'opinion à l'égard des nuisances du transport aérien, la construction de nouveaux aéroports ou de nouvelles pistes devient de plus en plus compliquée en Europe. Notre-Dame-des-Landes en témoigne tous les jours. Sans augmentation des capacités, les grands aéroports vont-ils être privés d'une partie de la croissance du trafic aérien mondial? C'est la question, alors qu'ailleurs, au Moyen-Orient, en Asie, les mêmes enjeux débouchent sur des investissements colossaux. Pour rappel, selon Eurocontrol, 12% du trafic passager pourrait ne pas être satisfait d'ici à 2035, si rien n'est fait. La question de la sous-capacité aéroportuaire pose aussi celle du contrôle aérien, de son amélioration, qui est attendue par le programme César, qui doit commencer à être déployé l'année prochaine. Et elle pose aussi la question de la gestion et de l'attribution des créneaux horaires de décollage et d'atterrissage, et donc de l'accès au marché. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnages clés de cette problématique. Olivier Jankovec, secrétaire général de l'ACI Europe, donc l'association des aéroports européens. Maurice Georges, à l'extrême gauche, directeur des services de la navigation aérienne en France, mais aussi président du comité européen des directeurs des services de la navigation aérienne, CANSO. Et Eric Erban, directeur de COOR, l'association en charge de la distribution des créneaux horaires en France, et également président de l'association européenne des coordonnateurs d'aéroports, l'EUACA. Monsieur Jankovec, la première question sera pour vous. Y a-t-il un risque de sous-capacité aéroportuaire en Europe et pourquoi? Merci, bonjour à tous. Merci à Aéroports de Paris, La Tribune, d'avoir invité l'ACI Europe. Vous avez, je crois, mentionné les chiffres qui proviennent de l'étude très complète qu'a fait Eurocontrol l'année dernière, qui s'appelle Challenge of Growth, qui démontre qu'effectivement, d'ici à 2035, on aura 12% de demandes non satisfaites, ce qui, en termes un peu plus palpables, signifie 2 millions de vols qui ne pourront pas avoir lieu et plus de 200 millions de passagers qui ne pourront pas voler. Donc oui, il y a un vrai problème. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de noter que cette étude, elle est réalisée dans un contexte qui est le contexte post-crise financière. Donc, elle a été faite sur la base d'une hypothèse d'un ralentissement significatif de la croissance de la demande dans le futur, qui reflète en fait le fait que le marché européen arrive à un degré de maturité. Donc, avant 2008, Eurocontrol prévoyait un doublement en fait de la demande de transport aérien d'ici à 2025. Sur la base de cette étude, il prévoit maintenant une augmentation seulement de 50% de la demande d'ici à 2035, donc moitié moins de croissance avec 10 ans de décalage. Pour autant, la conclusion reste la même que celle qui était en 2008, effectivement, un problème chronique de sous-capacité aéroportuaire. Et la cause principale, c'est en fait le fait que les aéroports, comme vous avez fait allusion à cela, les aéroports ont de plus en plus de mal, clairement, à développer leur capacité aéroportuaire, à planifier de la capacité aéroportuaire à long terme. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. D'abord parce qu'obtenir le permis de croître, ça devient impossible en Europe. On le voit au Royaume-Uni, mais on le voit un peu partout. Il y a une opposition forte à l'expansion des capacités aéroportuaires. Il y a peu ou pas de soutien politique, peu ou pas de courage politique, et un manque de vision à long terme de nos gouvernements, qui d'ailleurs ne concerne pas seulement le transport aérien, mais en général. Lié à ça, il y a le fait effectivement qu'avec la crise financière, il y a moins de fonds publics disponibles, moins d'appétit de la part des gouvernements pour financer publiquement le développement aéroportuaire. Et là, c'est en fort contraste avec ce qui se passe en dehors de l'Europe. Et puis, les aéroports eux-mêmes, dans la vague de la crise financière, ont eu de plus en plus de mal à se financer sur les marchés de capitaux. Il faut savoir quand même que par rapport à la situation pré-crise, on est en moyenne au niveau du secteur à presque 30% d'augmentation des coûts de capitaux alors qu'on a réduit nos investissements. Donc effectivement, réduction des investissements significative. Et puis, je crois que pour les opérateurs, leur propre horizon de planification s'est considérablement réduit aussi pour des raisons économiques. Parce qu'il y a plus de concurrence entre aéroports, parce que les attentes des actionnaires des aéroports ont changé aussi.
on demande plus à court terme. Et donc tout ça aussi, ça crée un frein à une projection à plus long terme. Donc je crois que là, on a à peu près les principales causes qui expliquent effectivement, alors qu'en 2008, on prévoyait qu'il y ait une 38% d'augmentation de la capacité aéroportuaire d'ici à 2025, on est retombé maintenant sur une hypothèse de seulement 17% d'augmentation de capacité aéroportuaire d'ici à 2035. Quel peut être l'impact sur le transport aérien et pour l'Europe en général ? Alors, l'impact, il va être multiple. D'abord, un impact en qualité de service pour les voyageurs, parce que pas de capacité aéroportuaire, ça veut dire congestion, ça veut dire retard, ça veut dire vol annulé. Eurocontrol, dans cette même étude, démontre que le retard moyen cause aéroport par vol, qui aujourd'hui est d'une minute, va passer à 5-6 minutes par vol. Alors ça n'a pas l'air grand-chose comme ça. C'est 5 fois plus. Je pense que si vous êtes dans le secteur, ça signifie un niveau de congestion comme on n'a presque jamais connu, probablement. Sachant que dans cette hypothèse-là, il y aurait les 19 plus grands ou parmi les plus grands aéroports européens congestionnés. Donc ça, c'est le premier impact. Qualité de service fortement dégradée, congestion, donc coûts environnementaux, perte de revenus finalement aussi pour les acteurs du secteur, pour les aéroports et les compagnies, parce que s'il y a 2 millions de vols qui ne peuvent pas être accommodés, c'est autant de revenus en moins pour les compagnies, pour les aéroports. Et puis au-delà de ça, perte de connectivité pour nos régions, nos villes, pour l'Europe, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas développer le réseau comme il devrait se développer, comme la demande le justifierait. Et derrière cette perte de connectivité, finalement, il y a un enjeu de compétitivité économique pour l'Europe. Parce qu'on voit qu'on est passé aujourd'hui dans un monde où l'Europe est de plus en plus dépendante pour son économie, de sa capacité à commercer avec les régions émergentes, à établir des liens avec ces régions. Donc, dans ce cadre-là, clairement, l'aviation, le transport aérien a un rôle stratégique clé à jouer. Et on ne va pas être capable de le jouer alors que les autres régions du monde sont en train de le jouer à une très grande vitesse. Donc un enjeu de compétitivité, d'ailleurs on avait sorti un chiffre l'année dernière, on estimait que le manque à gagner, enfin la perte de PIB au niveau européen liée à cette manque de capacité aéroportuaire était évaluée à 230 milliards d'euros. Donc c'est un enjeu qui dépasse vraiment notre propre secteur, c'est un enjeu de politique économique et stratégique. Et que peut-on faire alors ? Quelles sont vos solutions selon vous pour... Il n'y a pas de, comme disent les Anglais, il n'y a pas de golden bullet ou silver bullet, je ne sais plus ce qu'ils disent. Mais enfin, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est maximiser au maximum la capacité existante, ça c'est clair. Et ça, c'est ce qu'on fait déjà beaucoup. Je veux dire, tous les aéroports qui ont des problèmes de congestion sur toute ou partie de la journée cherchent à maximiser au maximum l'utilisation de la capacité aéroportuaire. Ça répond d'ailleurs, indépendamment de ça, à une pression aussi des actionnaires, hein, clairement. Pour pouvoir retarder les investissements ou vraiment faire les investissements quand vraiment c'est justifié d'un point de vue économique. Il y a le programme César, le projet ciel unique européen, qui va apporter des solutions à travers des nouveaux process comme le Collaborative Decision Making, qui permet un échange d'informations, le CDM, en continu de façon tactique et stratégique entre tous les acteurs de la plateforme. Et ça, je crois que vraiment nos aéroports en Europe sont très engagés là-dedans. Mais il ne faut pas non plus se leurrer. Eurocontrol, d'ailleurs, a regardé quels étaient les possibles remèdes dans son étude. Et prenant en compte les bénéfices attendus du programme César, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on réduit le déficit de capacité de, je crois, 20%. Donc, on ne réglera pas le problème. Voilà. Donc, on a besoin de nouvelles infrastructures. Donc, il faut qu'on obtienne notre permis de croître, il faut qu'il y ait plus de courage politique pour soutenir les aéroports dans leur croissance, et ça veut dire in fine faire prévaloir l'intérêt général compte tenu de l'impact économique que ça a sur l'intérêt de quelques particuliers. Voilà. Maurice Georges, bon, visiblement on ne sait plus construire de nouveaux aéroports en Europe, il faut donc améliorer l'existant. Comment vous, les services de la navigation aérienne, pouvez-vous contribuer à augmenter cette capacité donc ? Oui, bonjour. Donc, je suis Maurice Georges, directeur de la navigation aérienne en France. Bon, d'abord, la navigation aérienne, je crois que c'est quand même encore assez mal connu, à part peut-être en situation de grève, mais même la navigation aérienne en France, c'est 8000 personnes, c'est 80 tours de contrôle, c'est aussi 5 centres régionaux qui gèrent l'espace aérien,
Et sur ces 8 000 personnes, c'est 4 000 contrôleurs aériens. Et donc, il y en a 4 000 qui ne sont pas contrôleurs aériens, et qui sont ingénieurs, qui sont ingénieurs de conception, ingénieurs de maintenance, ingénieurs d'exploitation. Il y a beaucoup de métiers différents, et c'est ça qui est assez intéressant dans ce métier. C'est beaucoup d'opérationnel, beaucoup d'humains et aussi beaucoup de techniques. Et quand on parle de César, je crois que c'est ça l'enjeu, c'est d'arriver à associer l'humain, les opérations et la technique. Je suis un peu moins fataliste que vous, déjà sur la situation actuelle de la performance actuelle. Vous aviez évoqué un scénario cauchemar à 6 minutes de retard moyen. 6 minutes de retard pour tous les vols, effectivement, ça voudrait dire plus d'une demi-heure de retard pour plus de la moitié des vols. Et donc ça, c'est effectivement pas supportable pour notre système. Mais actuellement, la performance actuelle, c'est 30 secondes en moyenne. Donc la performance en termes de capacité du système européen a en fait jamais été aussi bonne. Il faut le savoir, c'est-à-dire qu'on part quand même sur des bonnes bases, et la vraie question, effectivement, c'est de faire mieux et de préparer l'avenir, mais pas non plus d'être catastrophiste sur ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? La navigation aérienne, on peut travailler dès la conception d'un aéroport. Alors effectivement, si on ne construit pas d'aéroport en Europe, on a du mal à travailler à la conception, mais c'est un vrai enjeu dans le reste du monde, ça ne faut pas l'oublier. Et il y a des aéroports qui sont bien nés et d'autres qui sont moins bien nés. Si dès le début on construit le bon nombre de pistes au bon endroit, avec les bonnes orientations, avec le bon espace aérien, et sans mettre un aéroport avec des pistes qui vont dans un sens différent de l'aéroport situé à 30 km, on aura un aéroport bien né. Ça, c'est extrêmement bien de le savoir, parce que ça explique aussi les difficultés d'un certain nombre d'aéroports existants, des aéroports qui ne sont pas optimum en termes d'organisation, et il faut vivre avec. Et ça, c'est quelque chose d'assez fréquent en Europe, d'avoir des aéroports qui auraient, juste au vu du nombre de pistes, a priori beaucoup de capacités, mais en fait, qui sont tels qu'ils sont. Et ça, il faut travailler avec. Deuxième chose qu'on peut faire, et c'est vraiment le cœur du contrôle aérien, c'est optimiser l'utilisation de l'espace aérien autour. Et ça, en Europe, c'est ça qui crée la capacité, en particulier la capacité en pointe. Parce que si je prends un aéroport comme Roissy, les pointes sont saturées, mais il n'y a pas des pointes toute la journée. Et même sur les 5 plages de hub de Air France, elles ne sont pas saturées au même point. Donc il y a encore de la capacité, sauf que si tout le monde l'avait au même moment, il manque de la capacité de pointe. Et en termes de contrôle aérien, c'est vraiment ça qui est très demandant, c'est la capacité en pointe. Un chiffre important à retenir, en France, le nombre de passagers en 15 ans, globalement, a beaucoup évolué, mais le nombre de vols en France en 15 ans n'a pas augmenté. On a à peu près le même nombre de vols total qui partent et qui arrivent en France depuis 15 ans. Par contre, en termes de pointes, les pointes de trafic, elles ont augmenté d'environ 20%. Donc pour un même nombre de vols, vous avez une augmentation de la demande en pointe qui est très très importante. Et ça explique bien quels sont les enjeux. Un aéroport, effectivement, il n'est pas seul dans son environnement. Roissy a 4 pistes, mais pour le contrôle aérien, il en a 5. Puisque la piste du Bourget, on parle du Bourget actuellement, en fait, du point de vue du contrôle aérien, le Bourget, c'est le même aéroport que Roissy. Et on gère ça ensemble, et donc c'est un enjeu de capacité. Mais Roissy, pas loin d'Orly non plus. Et donc la région parisienne est ce qu'elle est, il faut gérer l'ensemble. Et si je vous dis qu'en matière de contrôle aérien, tout se joue en fait à 8000 mètres et à presque 200 km de l'aéroport quand on commence, vous vous rendez compte que les aéroports de la Cororia, que ce soit Londres, que ce soit Amsterdam, que ce soit Francfort, que ce soit Paris, et je ne parle pas du pauvre Bruxelles qui est au milieu de tout ça, sont en fait dans un même système. Donc ça, c'est une vraie contrainte à gérer, et c'est là-dessus qu'on peut travailler. Et c'est pour ça la vraie dimension européenne, même pour un aéroport, il y a une vraie dimension européenne. Et comment le programme César va permettre justement d'améliorer cette capacité alors. Le programme César, il va permettre de travailler sur un troisième point qui me paraît essentiel pour la capacité, c'est la qualité de service. Vous pouvez avoir un aéroport qui a de la capacité structurelle, qui a de la capacité en pointe, mais si la qualité de service n'est pas bonne, c'est-à-dire si l'avion met trop de temps à rouler au sol, si en fait le système n'est pas stable, en fait, vous avez des opérations qui deviennent très très dures pour les compagnies aériennes et vous utilisez mal cette capacité. Et donc, il y a un vrai enjeu pour travailler tous ensemble, les compagnies aériennes, les aéroports et la navigation aérienne, sur la qualité de service. Et c'est ça que va apporter César d'abord. Ça va apporter, pour une capacité structurelle, que ce soit de l'aéroport
ou de l'espace aérien, avoir vraiment un système complexe qui marche bien. Et j'aimerais insister sur un quatrième point qui est extrêmement important en termes de performance et de capacité, c'est la capacité de résilience de nos aéroports. Le monde n'est pas parfait, et dans un système de transport aérien, vous avez des événements qui sont difficiles à prévoir. J'ai entendu parler à un intervenant ce matin qui disait « Y a-t-il un ministre de la météo ?» Il y a un ministre de la météo. D'ailleurs, c'est le même ministre que celui du contrôle aérien. Il ne peut pas forcément créer l'attente, mais il peut le prévoir. Et vous avez des événements qui, tout en étant plus ou moins prévisibles, ont un impact réel. Les grèves du contrôle aérien, ça crée des perturbations, les orages aussi, la neige aussi. Notre système aéroportuaire, il marche si on sait aussi fonctionner en capacité dégradée, et c'est ça qui fait la capacité totale du système. Et ça, on ne peut pas faire tout seul. Je vais vous donner un petit exemple qui est peut-être, dont on se souvient peut-être. On a eu quelques hivers assez rigoureux ces dernières années, et on a eu quelques événements assez malheureux en région parisienne de blocage d'aéroports liés à des problèmes simplement de neige. Ça, c'est la catastrophe absolue en matière de transport aérien. Vous avez 10 000 passagers dans les aérogares le soir, vous ne savez plus quoi faire, et c'est quelque chose qu'il faut évidemment absolument. On a réussi avec Aéroports de Paris à transformer ça vraiment sur le plan des procédures, c'est-à-dire qu'on et des procédures d'anticipation avec les compagnies aériennes, sur le plan des, comment dirais-je, des systèmes eux-mêmes, et on est passé sur un facteur de capacité qui est extrêmement important. Quand tout marche bien à Roissy, on fait 75 départs en même temps. 75 départs par heure. En situation de neige, on était arrivé à un maximum de 10-15 avions à l'heure. À 15 avions par heure, vous ne pouvez plus rien faire. Et en travaillant ensemble, on est remonté à une capacité. Maintenant, même en situation de neige, à Roissy, on fonctionne à 50 avions par heure, 60 avions par heure. Ça, c'est aussi important de concevoir que notre système, il ne marche pas seulement sur la capacité en pointe, mais aussi sur la capacité de résilience. Donc vraiment, ça fait la capacité structurelle des pistes, la capacité de l'espace aérien, la qualité de service qui accompagne tout ça, et la capacité de résilience. Et si on travaille sur ces quatre points, qu'à mon avis, on peut avoir un système qui fonctionne et qui est prêt à affronter l'avenir. Est-ce que certains aéroports américains, comme Atlanta, parviennent à réaliser à peu près 180 mouvements à l'heure ? Roissy, de mémoire, on est à 117, notamment parce qu'ils arrivent à mieux séquencer l'approche à 250 nautiques, donc à les mettre les uns après les autres. Est-ce que est-ce qu'en Europe c'est possible, ou est-ce que les contraintes géographiques l'empêchent? Comment pouvez-vous vous inspirer des méthodes américaines? Alors, je pourrais m'en tirer en disant que ce n'est pas possible parce que les États-Unis, ce n'est pas pareil qu'en France, ou parce que l'aéroport d'Atlanta est mieux né que l'aéroport de Roissy. Ça tombe mal parce que Roissy, on l'a un peu copié sur Atlanta, donc on ne peut pas se réfugier là-dessus. Non, je crois qu'il y a d'autres facteurs. Il y a des facteurs structuraux qui sont certains, notamment à Atlanta, vous avez une compagnie dominante qui est beaucoup plus majeure encore sur l'aéroport que ce que pourrait l'être l'Air France à Roissy. Donc vous avez un niveau d'homogénéité opérationnelle entre les procédures des pilotes et ceux du contrôle aérien qui vous permet d'avoir des procédures spéciales et d'avoir des pointes absolues en situation qui sont beaucoup plus fortes. Roissy, c'est, je crois, Monsieur Romanet, plus de 200 compagnies qui opèrent. Quand vous avez 200 compagnies qui opèrent dans un aéroport, vous ne pouvez pas avoir le même niveau d'intégration opérationnelle et d'entraînement conjoint entre les contrôleurs aériens et les pilotes. Et ça, c'est extrêmement important en termes de capacité. Ça, c'est le caractère un peu c'est fataliste. La vérité, c'est qu'on peut aussi s'inspirer, et on a lancé une nouvelle démarche avec Aéroports de Paris et aussi avec Air France pour essayer de prévoir quelle doit être la performance de Roissy en 2020 et comment on va appuyer sa capacité et son développement. Et on a, ça tombe bien, justement lancé il y a quelques semaines, on a fait des équipes conjointes. Donc on a mis des experts d'Aéroports de Paris, des pilotes experts d'Air France, des contrôleurs aériens experts. Et on est allé voir à Atlanta comment il fonctionne. On est aussi allé voir à Los Angeles. Et c'est intéressant de voir que Atlanta est un aéroport qui en fait est très bien fait. Los Angeles est un aéroport qui est pas mal fait, mais qui est beaucoup plus limité pour des raisons simples de structure. Donc on a regardé ce qu'ils font et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire exactement pareil, mais qu'il y avait effectivement beaucoup de choses dont on pouvait s'inspirer. Donc ça nous donne quand même pas mal d'espoir pour l'avenir.
On va aussi aller moins loin. Je pense que quand on regarde ce qui se passe, on parle beaucoup de la saturation des aéroports anglais, mais quand on regarde la performance à Heathrow, ils ont une capacité de contrôle et d'exploitation avec leur piste actuelle qui est exceptionnelle. Et donc, il y a une qualité de service dont je pense qu'on a intérêt à utiliser. Et ça, c'est aussi ce qu'on souhaite faire. Et ce qui est important, c'est qu'on aille ensemble. Et tout à l'heure, vous avez utilisé le buzzword, le CDM. Mais le CDM, c'est vraiment ça, ça marche à tous les niveaux. C'est concevoir ensemble les aéroports, c'est exploiter ensemble les aéroports en situation nominale comme en situation dégradée, et c'est aussi travailler sur l'avenir ensemble, c'est-à-dire aller voir ce que font les autres aéroports ensemble, navigation aérienne, compagnie aérienne, aéroports. Et là, je crois qu'on peut vraiment faire le mieux de ce qui se fait en benchmark. Monsieur Urban, que préconisez-vous pour augmenter la capacité? Quelles sont vos solutions? Oui, d'abord, bonjour. Cohort et la coordination horaire, notre rôle, c'est d'abord d'attribuer la capacité et donc de gérer la pénurie. Alors, on est un peu au carrefour entre les fournisseurs de capacité que j'ai ici avec moi, la navigation aérienne et les aéroports, et puis les compagnies aériennes qui vont utiliser la capacité. Alors, ce rôle un peu d'observateur me permet peut-être de donner quelques observations sur le sujet, mais encore une fois, c'est pas des recettes miracles. Je crois que si on veut augmenter la capacité, il y a des mesures qui sont du premier ordre, puis d'autres du deuxième et troisième ordre. Celle du premier ordre, ça paraît une évidence, c'est d'en construire. Et ce qui est dommage, c'est qu'il semble qu'il y ait une fatalité qui se soit installée, qu'en Europe, on ne puisse plus construire de nouvelles capacités. Et les politiques partent du principe que c'est trop risqué de construire, parce que même en race campagne, on ne peut plus en construire des aéroports en Europe, alors qu'ailleurs dans le monde, et quand on voyage et quand on assiste à certaines conférences, et la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, on a une où on avait les autorités de Singapour qui expliquaient que pour elles, c'était très clair, le transport aérien était une priorité nationale. C'est quelque chose qui est fondamental pour développer leur économie, pour faire en sorte que des entreprises viennent s'installer à Singapour et que pour pouvoir s'installer à Singapour, il faut qu'elles aient une connectivité importante à travers le monde. Donc les politiques à Singapour ont décidé, c'est une priorité, transport aérien. Dans le Golfe, en Chine, partout, au reste du monde, on construit des aéroports. En Europe, on ne sait plus le faire, même en race campagne encore une fois. Alors peut-être qu'il faudrait se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire en sorte que les hommes politiques aime le transport aérien, parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. On aime la construction aéronautique, on l'a entendu ce matin, mais le transport aérien, ce n'est pas évident. Ensuite, de deuxième ordre, je dirais, et encore une fois, ce sera uniquement des mesures de deuxième ordre, je pense qu'il faut faire en sorte que les capacités déjà existantes, on arrête d'en limiter l'utilisation. Donc, je prends pour exemple, on construit deux pistes à Francfort, et hop, on met des contraintes environnementales qui vont limiter et qui vont instaurer un couvre-feu. Donc, ailleurs dans le monde, quand on construit un aéroport, on ne met pas forcément instantanément des mesures qui vont limiter la capacité. Je prends notre exemple d'Orly, pour être plus présent. On a une limitation qui a été mise en place il y a 20 ans maintenant, de 250 000 créneaux horaires. Je dirais heureusement qu'il y a eu la crise du carburant qui a fait que les compagnies aériennes ont dû renouveler rapidement leur flotte et qu'elles ont donc pris des avions moins bruyants. Mais si ça n'avait pas été le cas, il y aurait peut-être 250 000 mouvements faits avec des Concorde et donc le bruit qui va avec. Et je pense que là, on aurait entendu parler les associations de riverains sur le fait qu'il fallait revoir cet accord. Là, ça n'a pas été le cas, mais tout le bénéfice de la productivité environnementale des renouvellements de flotte est allé intégralement aux riverains, ce qui est bien en soi, mais rien pour l'augmentation de trafic de l'aéroport. Donc peut-être qu'il y a là aussi des marges de discussion pour essayer de revoir cette approche et éviter qu'on bride la capacité des aéroports déjà existants. Puis alors, le troisième niveau d'incitation, mais là, ça sera vraiment à la marge, hein, c'est vrai, essayer d'inciter les fournisseurs de capacité, encore une fois que j'ai à ma gauche, d'aller nous offrir une capacité qui est au plus près possible de la capacité technique de leurs installations.
par les démarches, donc. Oui, tout à fait. Quand un aéroport, que ce soit les pistes, le système de pistes, que ce soit les aérogares, que ce soit la totalité des infrastructures, le fournisseur de capacité, il se garde toujours une marge pour éviter qu'on attribue et qu'on ne programme les vols au taquet de la capacité technique. Donc, la source de productivité, je dirais, c'est d'aller taper dans ses marges. Et pour réduire ces marges, il faut éviter de prendre des mesures qui sont contre-productives. Et je pense en particulier à une mesure qui a été mise en place récemment sur les performances du système de contrôle aérien. Bon, c'est vrai que c'est au demeurant une bonne idée que de dire qu'il faut inciter les fournisseurs de capacité à avoir une meilleure performance. Mais si on ne prend pas garde au type de critères qui sont mis en place, et quand on met en place des critères qui sont liés à la ponctualité des vols, pour que les vols soient ponctuels, on va éviter de mettre plus de capacité, parce que si on prend un risque d'avoir des vols qui soient encore moins ponctuels, si on rajoute de la capacité. Donc peut-être qu'il faudrait que les mesures de performance qui soient mises en place pour les fournisseurs de capacité prennent en compte leur courage d'aller taper dans ces marges, et donc d'augmenter les capacités. Ce sont des choses qui sont, pour l'instant, pas mises en place, puisque, encore une fois, il n'y a que la ponctualité des vols qui est prise en compte pour mesurer la performance des fournisseurs de capacités et, par conséquent, leur rémunération. Bon, là, vous avez une attaque directe, Monsieur Georges, donc il faut répondre. Je suis totalement en désaccord avec vous sur les deux points que vous avez développés, aussi bien sur la ponctualité que sur l'environnement. Sur l'environnement d'abord, si vous commencez à dire que l'environnement c'est un bridage de l'aéroport, je crois qu'on a perdu. On a parlé ce matin d'intégration entre la ville et l'aéroport. Si on commence par dire que l'aéroport il est parfait mais c'est le monde qui l'environne qui n'est pas bien, je crois que l'aéroport il ne vivra pas hors sol. Alors je pense qu'on est vraiment, on a vraiment intérêt à prendre la démarche inverse en disant que les aéroports sont des beaux outils. Ça, c'est des belles machines, c'est des belles usines, c'est des beaux hôtels. Mais pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'ils vivent dans l'environnement. Et pour qu'ils fonctionnent dans l'environnement, il faut expliquer aux riverains que la capacité, ça se fera avec eux. Ça peut se faire. Et je crois que l'État dépense beaucoup d'énergie pour ça. Actuellement, l'État vient de remissionner monsieur le préfet Guyot pour lancer une mission sur toute une année sur comment traiter cette question compliquée des vols de nuit. Soit cette mission va bien se passer et auquel cas on continuera à développer notre aéroport de Roissy et les aéroports parisiens en général parce que l'aéroport pourra se développer normalement. Si ça coince, eh bien on aura ce que vous appelez des mauvaises contraintes. Mais je crois qu'il faut associer tous nos citoyens parce que sur le fond, il n'y a pas aucune association quelle qu'elle soit et aucun élu quel qu'il soit ne rejette l'intérêt économique d'un aéroport. Il dit juste qu'il veut être associé à son développement. Alors après, ça peut paraître, est-ce que c'est une nuisance environnementale ou est-ce que c'est du développement durable? Je ne crois pas qu'il faille se payer de mots, mais je pense que si on considère que l'environnement peut être un facteur de développement et que dès le début, on fera le mieux de nos aéroports. Si on considère que l'aéroport est parfait, mais que dommage qu'il y ait les contraintes d'environnement, là, on coince le problème depuis le début, je pense qu'il ne faut pas. Sur le deuxième point de la ponctualité, je vais être très précis, parce que je sais qu'on en parle beaucoup, hein. Un avion, il n'est pas tout seul. Pour qu'il y en ait beaucoup qui se posent en même temps, il faut qu'ils arrivent de façon cadencée et à peu près à l'heure où ils avaient prévu d'arriver. Quand vous avez un aéroport qui prévoit d'arriver 75 avions en même temps, s'ils arrivent à l'heure qu'il est prévu, vous pouvez en prendre 75. Si le système n'est pas assez bien réglé, parce qu'il y a des déficits de ponctualité ici ou ailleurs, parce qu'un avion qui se pose à Roissy, en général, il a décollé d'ailleurs, et qu'au lieu d'en arriver 75, ils arrivent en grappe, mal prévu, eh ben le contrôle aérien qui est quand même là pour assurer la sécurité de tous ces avions, il va prendre les fameuses marges dont vous parlez. Et donc, il va réduire la capacité prévue à 71 par heure pour être sûr qu'à la fin, il n'y en ait que 75. Donc en fait, c'est le déficit de ponctualité qui consomme de la capacité, c'est pas le contraire. C'est une fois de plus, soit l'aéroport tourne bien, mais le système dans son ensemble tourne bien, avec une bonne prévisibilité, avec une bonne ponctualité, avec une bonne qualité de service, et vous ne gâchez pas de la capacité. Si vous considérez que la capacité, c'est juste une ressource un peu brute dont il faut user, eh ben effectivement, le système devra se protéger pour des raisons simples de sécurité, et vous la détruirez, cette capacité. Donc voilà, ponctualité et capacité, pour moi, ça va vraiment ensemble.
Et puis, là, moi, je suis un opérationnel, donc je parle d'avion, je parle d'aéroport. Mais je crois que le passager qui prend son avion, il est aussi le premier à vouloir prendre un avion qui part à l'heure et qui arrive à l'heure. Et si vous lui expliquez qu'en fait, l'aéroport, il marcherait mieux si tout le monde était en retard, il va dire, oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon vol à moi. Donc voilà, c'est un critère de qualité de base. Et je crois que la qualité de service, c'est ça qui crée la capacité, vraiment. Allez-y, si vous voulez répondre. Oui, je vais répondre parce que, d'abord, sur l'aspect environnemental, bien naturellement, je n'ai pas dit qu'il fallait se passer totalement des contraintes environnementales. J'ai simplement observé que les limitations qui ont été mises en place ont eu comme résultat de simplement aller diminuer les nuisances intégralement et n'ont pas laissé de possibilité d'Orly à une augmentation du trafic sur l'aéroport. Donc l'approche équilibrée que vous prenez, elle est équilibrée que dans un sens. Ensuite, pour le deuxième point, la ponctualité, je pense que tout le monde veut partir à l'heure, mais si on veut augmenter les capacités, c'est clair qu'il faut programmer plus de vols, justement pour que vous soyez nourri à une cadence qui soit suffisante, mais pour que vous soyez incité à réduire vos marges, encore faut-il que le trafic qui soit programmé soit réellement le trafic réalisé. Et c'est vrai que là-dessus, si ce qui est programmé n'est pas respecté et qu'on a une série de tricheries qui sont enregistrées, vous allez voir un trafic supérieur à celui qui était programmé et donc vous n'allez pas être incité à nous augmenter les capacités. Donc, d'où la nécessité, selon moi, d'avoir une lutte farouche contre toutes les formes de tricherie sur la programmation. Et ça rejoint la révision du règlement et ces mesures qui devront être prises pour vous aider à justement avoir un trafic le plus prévisible possible et vous donner confiance sur les capacités que vous pouvez nous donner à distribuer. Elles représentent combien ces tricheries, à peu près ? On a une idée de l'ampleur ? Ça dépend de l'aéroport, ça dépend de la période de la journée, mais si vous avez en heure de pointe trois avions supplémentaires qui sont programmés, vous allez avoir complètement de perturbations du système. Donc on est en train d'essayer de mettre en place des mesures de réduction de ces tricheries, de contrôle, d'agir directement sur les plans de vol de ces compagnies, donc tout ça et de ces transporteurs. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place, mais c'est cette action que je disais tout à l'heure, c'est vraiment pour essayer d'avoir du second ordre dans l'amélioration des capacités. C'est pas ça qui va nous résoudre le problème que citait Olivier tout à l'heure. Vous voulez répondre ? Moi, j'ai pas rencontré beaucoup de tricheurs dans mon métier. Hein. Par contre, ce que je sais, c'est que si on n'a pas un système qui est bien intégré, chaque compagnie aérienne fait une optimisation individuelle parce qu'il n'a pas la vision de l'ensemble. Pour reparler une fois de plus de CDM, mais sans trop ajouter sur le mot, on a fait quelque chose à Roissy très simple il y a 5 ans, c'est qu'on a mis en place une liste de vols qui soit unique, qui soit la même pour les compagnies aériennes, pour l'aéroport et pour le contrôle aérien, et qui soit transparente et publique. Et ça, tous les opérateurs ont accès par Internet à la liste exacte des vols, à quelle heure il est prévu, à quelle heure il veut partir et à quelle heure il part exactement. Ça peut vous paraître simple, voire simpliste. Ça n'existait pas avant. Avant, vous aviez la liste de vols vue par l'aéroport, la liste de vols vue par les compagnies aériennes, la liste de vols vue par l'aéroport. Donc personne trichait, chacun essayait de faire le mieux qu'il peut en fonction de la formation qu'il avait. Quand on a mis en place de façon transparente une liste de vols unique, chacun a bien vu que optimiser tout seul, ça ne servait à rien. Et donc en fait, d'un seul coup, le système devient plus vertueux d'un point de vue fonctionnement, mais je ne crois pas qu'il y avait de tricherie avant, je crois qu'il y avait surtout chaque aéroport qui disait moi je vais essayer de partir au bon moment, si je pars 20 minutes avant l'heure prévue, je pourrais peut-être passer avant l'autre, mais avec l'autre je ne sais même pas ce qu'il va faire. C'était de l'optimisation individuelle, et dans un système aussi compliqué que le transport aérien, de l'optimisation individuelle, c'est suboptimal sur l'ensemble. Donc voilà, moi, j'évite d'utiliser ce genre de terme de tricherie, parce que ça ne correspond pas vraiment au comportement des... Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, je suis opérateur, donc j'ai peut-être une démarche qui n'est pas la même que ça prennent les régulateurs, les réglementateurs, et j'ai toujours, je suis peut-être un peu naïf sur ce point, mais je crois quand même qu'on arrive à vraiment bien travailler quand on remet les principes collectifs simples et qu'on essaie de faire travailler tout le monde ensemble. Monsieur Urban, vous avez évoqué le prochain règlement créneau que
concocte la Commission européenne. Elle devrait introduire la monétarisation des créneaux en estimant que la ressource sera mieux utilisée si les compagnies les ont achetées, ont acheté les créneaux. Est-ce que c'est aussi simple? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne question. Oui, en plus en trois minutes. Prenez votre temps. Alors, je crois que c'est clair que tous les économistes ont l'air d'accord sur le fait qu'en effet, la meilleure utilisation économique du créneau horaire, qui est donc cette ressource rare, c'est de la confier, cette ressource, à l'autre transporteur qui est prêt à payer le plus cher. Alors, utilisation économique pour qui? Pour le transporteur, vraisemblablement, pour la communauté. Si ce sont que des critères économiques qu'on doit prendre en compte, c'est une très bonne mesure. Cela dit, est-ce qu'il y a dans l'utilisation des ressources et dans les besoins de desserte, dans les besoins environnementaux, est-ce que les critères économiques sont seuls prédominants? Voilà la question fondamentale à laquelle il faut répondre. Les études qui ont été menées préalablement à ces propositions de la Commission ont montré le résultat de la monétarisation et les conséquences qu'il fallait attendre. Plus de vols long courrier, des avions plus gros, et puis une concentration des portefeuilles entre les mains de certains transporteurs. Voilà les répercussions qui sont attendues. Dont la capitalisation boursière va forcément augmenter. Voilà, après, ce sont les conséquences qui ont été étudiées. Maintenant, il y a toute une série de conséquences qui n'ont pas été regardées. C'est l'impact sur la valorisation des entreprises concernées. Que vont faire ces entreprises quand on va essayer de leur proposer une augmentation de capacité en rajoutant des pistes, hein, si on rajoute une piste à Heathrow, la valorisation de British Airways va peut-être prendre un coup. Donc ces actionnaires ne vont peut-être pas être d'accord pour qu'on augmente la capacité. Donc ça peut être un effet plutôt néfaste sur les augmentations de capacité qu'on recherche. Donc voilà. Les effets sur la connectivité non plus n'ont pas été évalués par cette étude. Donc, on voit qu'il y a une mesure qui est proposée qui part du principe que c'est la bonne utilisation économique. Maintenant, quels sont quels sont les autres critères qu'on doit prendre en compte pour bien utiliser ces ressources? Est-ce que c'est la bonne utilisation sociale? Ça peut être le cas de dire qu'elle va être l'utilisation qui va générer le plus d'emplois. Quelle est la bonne utilisation d'un point de vue de la connectivité? Créer un réseau, je disais tout à l'heure, permettre aux entreprises de s'installer autour de l'aéroport parce qu'elles savent qu'elles peuvent aller partout. Voilà, ça c'est aussi un critère qui peut être pris en compte pour dire si c'est la bonne utilisation. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'aéroport? Pourquoi une communauté qui a un aéroport, qu'est-ce qu'elle veut en faire de cet aéroport? Et ça, c'est peut-être pas forcément uniquement de l'optimisation économique, il y a peut-être d'autres critères qui devraient être pris en compte et qui ne le sont pas si on met en place la monétarisation. Monsieur Jankovec, vous êtes donc très pessimiste sur l'avenir, donc en tout cas pour régler ce problème de sous-capacité, fait-on, selon vous, le lit des hubs du Moyen-Orient? Oui, en quelque sorte. Enfin, je suis pessimiste sur la base de ce que nous dit Eurocontrol. Hein, et par rapport à ce que dit Jean-Michel, je ne suis pas pessimiste aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de la capacité, mais je suis pessimiste sur le long terme. Et c'est vrai qu'on va avoir des endroits en Europe où on va avoir beaucoup de capacité, et à l'inverse, des endroits où on va avoir peu de capacité. Donc il y a vraiment une situation de déséquilibre de la capacité. Le problème, c'est que la capacité va manquer là où se concentre la demande. Ce qu'on voit aujourd'hui, on vient de sortir le mois dernier une étude qui mesure et qui analyse la connectivité des aéroports européens, pour revenir à votre question. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en termes de connectivité, on a eu un changement drastique de positionnement compétitif entre l'Europe et le Golfe, ça c'est clair. En 2004, le niveau de connectivité intercontinentale offert par les hubs européens, quand on dit connectivité intercontinentale, c'est donc entre les différents continents, pas de et vers l'Europe, était, si on prend les trois plus gros hubs européens, Charles de Gaulle, Francfort et Londres-Heathrow, leur niveau de connectivité intercontinentale était trois fois celui offert par les trois plus gros hubs du Moyen-Orient, Abu Dhabi, Doha et Dubaï.
En 10 ans, on est passé dans une situation complètement inverse où ces trois hubs du Moyen-Orient ont un niveau de connectivité globale qui est le double de celui de nos trois plus gros hubs européens. Et Dubaï tout seul, l'aéroport de Dubaï tout seul, c'est le niveau de connectivité cumulé de Charles de Gaulle, Francfort et Londres. Donc, je n'ai pas envie de dire que les cartes sont déjà distribuées, mais beaucoup de cartes sont déjà distribuées. Et donc, on est en train de prendre un retard. Et quand on voit la capacité de ces États à se projeter dans l'avenir en termes de développement d'infrastructures aéroportuaires et notre capacité, nous, à nous projeter dans l'avenir à long terme, là, effectivement, il y a de quoi être inquiet. D'ailleurs, je crois que c'est la Banque mondiale a sorti un rapport la semaine dernière où elle lançait d'ailleurs un cri d'alarme sur, en général, le développement des infrastructures de transport en Europe, où le niveau d'investissement dans ces infrastructures en Europe par rapport au niveau global est descendu à 10%. Il était à 20% il y a 10 ans. Et où 60% en 2025, 60% de l'investissement en infrastructure sera en Asie. Donc, voilà, je crois qu'effectivement, il y a de quoi être inquiet. Monsieur Georges, vous partagez cette inquiétude ou vous êtes confiant par le succès de César ? Alors, le succès de César, je crois que, justement, c'est pas... Est-ce que César n'est qu'un palliatif à un manque de capacité structurelle des aéroports futurs ? Ça me paraît un peu réducteur. Je pense que vraiment... on a un gros potentiel de faire fonctionner le réseau existant des aéroports et de le faire mieux fonctionner, dégager de la capacité. Vous parliez d'engagement politique sur ce point. L'Union européenne met sur la table quand même 2 milliards d'euros entre 2015 et 2025 pour des infrastructures. La seule condition que met la communauté européenne, c'est que ce soit l'industrie elle-même qui se prenne en main pour définir et mettre en œuvre de façon coordonnée ce qu'il y a à faire. Et la communauté aéronautique, ben, c'est les aéroports eux-mêmes, c'est les compagnies aériennes, et les grandes compagnies aériennes commencent à se structurer en Europe pour ça, c'est la navigation aérienne qui doit faire son travail et se restructurer aussi. Et donc ça, c'est un facteur d'espoir, parce que je pense que, je suis pas sûr qu'on soit totalement à la capacité structurelle des aéroports en Europe. Je ne suis pas sûr non plus qu'il n'y aura pas d'autres pistes. Vous parliez de Francfort. Francfort a réussi à faire une quatrième piste. Ça a été long, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec des conditions effectivement de couvre-feu. Mais pour faire ça, ils ont fait un transfert d'activité aussi de nuit entre Francfort et Düsseldorf. Et finalement, je pense qu'ils ne sont pas mécontents de ce qu'ils ont réussi à faire. Londres a lancé une démarche stratégique pour savoir combien de milliards de livres ils voulaient investir pour des pistes à l'horizon 2030. Ça va sans doute pas être facile, mais à mon avis, ils vont y arriver. Roissy et la région parisienne dans l'ensemble, je pense qu'on a un bon potentiel sur la base déjà de ce qui est existant en matière de structurellement de capacité. Bon, et bien si l'Europe met 2 milliards dessus, c'est sans doute, à mon avis, pas à fond perdu. Je pense que c'est créer de la capacité dans un environnement tel que celui qui est européen. Ben voilà, c'est pas que construire des pistes. C'est construire effectivement des pistes là où on en a besoin. Mais je crois qu'il y a encore un plus fort potentiel à essayer de travailler mieux ensemble. Et aussi bien sur le plan des opérations coordonnées que sur le plan de la technique. Il y a des questions de système, il y a des questions de recherche et de développement. Et surtout d'arriver à faire travailler enfin ensemble tout ce réseau aéronautique qui, je dois le dire, travaille encore un petit peu en silo. Hein, la navigation aérienne, les aéroports, les compagnies aériennes. Donc moi, je sais pas, fondamentalement, je suis moins pessimiste que vous par rapport à la demande. Je pense qu'il y a des enjeux purs de transport aérien et de compétition intercontinentale dont on a déjà parlé ce matin. Mais pour ce qui est de la capacité de l'Europe en termes d'infrastructure, je pense qu'on a, on a pas mal de potentiel. On a un mal européen qui est que ben, la vieille Europe, elle a encore un peu de mal à travailler ensemble. Mais je crois que les moyens maintenant sont sur la table. Et je pense que si la volonté y est, on doit pouvoir faire des choses aussi. Monsieur Orban, le mot de la fin. Est-ce qu'on fait le lit du le jeu du des hubs du Moyen-Orient ? Écoutez, je sais pas parce que quand j'entends l'esprit de fatalité qui ambiant sur le fait qu'on ne peut pas construire plus d'aéroports et plus de pistes, je me dis que je suis très optimiste sur l'avenir des coordonnateurs
et qu'ils ont un bel avenir devant eux à distribuer les capacités qui seront de plus en plus rares, c'est tout. Très bien. Merci à vous. Nous avons le temps de prendre quelques questions de la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur, n'oubliez pas de vous présenter. Gilles Morin, Société Cabine Expert. Quand on a parlé des capacités aéroportuaires, on a essentiellement parlé de Roissy, Charles de Gaulle et d'ADP. Oui, des grands aéroports. Et on n'a pas parlé des autres aéroports français qui, eux, ne me semblent pas du tout en capacité maximum, loin de là. Si on regarde Lyon, Clermont-Ferrand, Châteauroux, Nantes, Toulouse. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'utiliser cette capacité et d'éviter de tout centrer sur Paris, qui en plus, après, provoque un certain nombre d'embouteillages connus par ceux qui prennent l'avion quand ils vont à Roissy ? Qui veut répondre ? Il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'Air France qui nous dise s'il veut faire du hub entre Clermont. Non, je sais, mais pour une compagnie de faire, d'être présent sur plusieurs aéroports, ça doit être compliqué quand même. Je crois que la capacité, elle suit les règles du marché. C'est très difficile de faire des règles de distribution du trafic de façon autoritaire ou réglementaire. Certains ont essayé de le faire. On se souvient des efforts de répartition du trafic entre Malpensa et Linate, notamment il y a une quinzaine d'années, qui a été un échec complet. Je crois que la France y était essayée aussi entre. Bon, c'est vrai que c'est toujours entre des infrastructures principales et pas au bénéfice d'aéroports régionaux. Mais c'est vrai que les compagnies mettent leurs avions et leurs moyens de production là où elles estiment que la demande se trouve. Et donc, par rapport à ça, je crois que si les gens veulent aller à Paris ou si, en tout cas, une compagnie aérienne décide de concentrer ses moyens de production sur un certain type d'aéroport parce qu'elle estime que c'est ce qui fait le plus de sens économiquement, c'est difficile d'aller au-delà de ça. Mais je suis d'accord avec vous, comme je l'ai dit, on a une situation de déséquilibre complet parce qu'on a beaucoup d'aéroports où il y a de la capacité disponible dans nos régions qui n'est pas utilisée comme elle pourrait être utilisée et c'est dommage. Si on compare avec l'Allemagne, vous avez cité Munich, Düsseldorf, Francfort, il y en a bien d'autres. En France, on n'est pas capable d'en citer autant, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que M. de Gignac ce matin nous a dit qu'à peu près 60% des passagers d'Air France étaient en transit d'une manière ou d'une autre quand ils étaient sur Roissy. Moi, je vois Jean-Michel Verne qui est là-bas, mais j'ai l'impression que la croissance observée sur les grands aéroports de province, de région, depuis quelques années en France, montre que non seulement il y a de la capacité, mais qu'il y a de la demande aussi. Et la croissance du trafic sur les grands aéroports de région en France est plus forte qu'en région parisienne. Et je pense que le spread de croissance n'est pas seulement lié à une saturation des aéroports parisiens, c'est aussi parce qu'il y a de la capacité en province et il y a de la demande. Donc moi je suis pas. Mais ça fait aussi partie de mon optimisme BA peut-être, qui consiste à dire qu'il y a des gisements de capacité en Europe comme en France et qu'il y a pas mal de compagnies aériennes qui sont aussi prêtes à les utiliser. Alors, c'est pas forcément le même business model des compagnies aériennes que celui d'une compagnie majeure à hub comme Air France, mais il y a des choses du trafic, des transports aériens qui se développent. Hein. Jean-Michel. Oui, Jean-Michel Verne, Union des aéroports français. Merci Maurice et merci Olivier. Je voudrais reprendre sur le même thème qui vient d'être développé, c'est que quand on regarde les aéroports français régionaux par rapport aux aéroports européens, on est très petit. Nice doit être 38e, Marseille, Toulouse, Lyon, on est 50 et quelquième. Aujourd'hui, alors qu'il y a une réforme territoriale en cours qui veut faire de grosses régions, il faut un peu se poser la question d'abord de pourquoi nos aéroports sont petits, régionaux, et comment ils peuvent grossir, parce que je crois qu'en matière de développement des territoires, c'est un facteur énorme de compétitivité. Par là même, on verra qu'il y a de la capacité dans les aéroports de province qui est à utiliser. Bon, ça pose le problème du point à point par rapport au web, etc. Ça pose un certain nombre de questions, de droit de trafic, tout ça. Mais voir la problématique uniquement par le biais et par le point de vue, certes respectable, qu'on connaît tous, de la compagnie dominante, pour l'avenir à moyen et long terme, c'est certainement pas forcément l'unique solution. Donc, c'est vrai qu'il y a. De l'autre côté, il y a beaucoup d'aéroports en France et il y en a peut-être trop de petits, hein, chacun le dit, mais il y a beaucoup d'aéroports qui ont de la capacité et qui doivent se développer pour développer leur territoire.
J'avais deux commentaires par rapport à cette situation. C'est le fait que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une plus grosse concentration du trafic sur des marchés plus importants de la part des compagnies aériennes, parce qu'elles privilégient le yield et elles ont une moindre prise de risque. Donc c'est vrai qu'on voit qu'au niveau du réseau, on a un réseau sur les aéroports régionaux qui depuis 2-3 ans a tendance à un peu s'atrophier. Et ça reflète malheureusement ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Il y a une très intéressante étude qui a été sortie par le MIT sur le fait qu'aux États-Unis, beaucoup de compagnies aériennes ont délaissé les petits aéroports régionaux. D'une part parce qu'il n'y avait pas les machines qui étaient économiquement viables pour desservir ces aéroports en termes d'avions. Et parce que la consolidation amenait les compagnies, c'est vrai, à se regrouper et à consolider leurs opérations. Et ça pose un vrai problème de continuité territoriale, ça c'est clair, et d'équilibre dans le développement régional. Maintenant, il y a peut-être des facteurs positifs qui vont contrebalancer cette évolution. Si Airbus et Boeing sortent de nouveaux types d'avions avec des efficiences en termes de consommation de carburant plus grandes, qui vont permettre à ces compagnies de reconsidérer leurs décisions sur le développement de leur réseau, sur des liaisons qu'elles ont abandonnées parce qu'elles ne les considéraient pas viables. Donc là, peut-être qu'avec des nouveaux types d'avions, on peut espérer que donner un second souffle à ces marchés. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Verne, allez-y. Sur la même idée qu'Olivier, et des chiffres qu'il connaît bien, c'est que effectivement, il y a certainement beaucoup d'aéroports en France et en Europe. Il faut savoir aussi qu'il y a en Europe, le chiffre qu'Olivier cite souvent, il y en a 50% qui sont déficitaires. Et en France, il y en a certainement un peu plus de 50%. Ça veut dire qu'il y a des aides publiques pour les faire fonctionner. On sait qu'aujourd'hui, ce système, enfin, l'argent manque et les collectivités vont être contraintes. Donc, ça va certainement un regroupement, au moins de faire grossir uniquement, pas tous les aéroports à la fois, mais certains aéroports. Mais en tout cas, les choses devraient converger. Je ne prête pas pour ma paroisse parce que je suis toulousain. C'est qu'il y a certainement une réflexion à avoir sur le développement de grands aéroports régionaux au-delà de ceux qui sont dans le contexte européen. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir assisté à ce débat. Et la suite du programme, donc, il y a un sujet sur la libéralisation du transport aérien. Est-il le poison ou le remède ? Et un débat avec Tony Tyler sur 6 milliards. Oui, Tony Tyler, Mark Walla, Michel Wackenheim sur 6 milliards de passagers d'ici à 2030. Comment fait-on ?